Bonjour Emmanuel, vous êtes dans les rues piétonnes de Montélimar, mais pourquoi ? Alors on fait une opération, une approche de marketing opérationnel. Notre objectif, c'est de faire connaître Otipass. Otipass, c'est le pass numérique du territoire. Donc pour aborder le public là où il se trouve, on est venu dans les rues de Montélimar, un jour de marché, et on présente Otipass et on fait gagner des cadeaux. Et c'est un gros succès, il y a du monde. On a eu un gros succès, on est vraiment ravis de l'écoute des personnes. Bien sûr, tout le monde est ravi de se voir offrir des cadeaux, mais c'est surtout tous les avantages, les offres, et les entrées à tarifs privilégiés, le plus souvent chez différents prestataires, qui nous intéressaient de faire connaître. On peut citer quelques prestataires. Alors parmi les prestations, les prestataires, on a notamment des balades en gyropode, on a des balades à poney avec le centre équestre du Jabron, on a des artisans, on a des entrées à la ferme au crocodile, au palais des bonbons, qui sont encore une fois moins chères en passant par Otipass par rapport à l'entrée directement. On a différents restaurateurs qui proposent des menus du terroir ou des menus gourmands, des dîners aux chandelles, des séjours romantiques, des séjours en chambre d'hôte, en hôtel. Et la liste s'allonge de jour en jour, on a envie d'adopter son outil. Des tarifs préférentiels et surtout un contact humain et des avantages avec un accueil privilégié. Alors vous avez mobilisé l'ensemble de l'office de tourisme. Alors toute l'équipe est au complet, on est tous habillés pareil, on a tous revêtu du noir, du blanc et un foulard violet. L'objectif, c'est vraiment que ce soit directement les conseillers en séjour de Montélimar Tourisme qui viennent renseigner le public. Alors, on a des segways qui tournent, on a des kakémonos qui tournent dans le dos de nos conseillères. L'objectif, c'est vraiment d'être vu. Donc, je crois qu'on a créé la visibilité, on a créé l'opération que l'on souhaite. Tout le monde a envie d'adopter son outil.